Le processus qui commence de la naissance d'une personne et qui va jusqu'à la mort peut être défini par une souffrance dans le sens qu'on parle de la vie matérialiste et qui n'est pas une vie, si vous voulez, qui se déroule sur des plans plus subtils. Quelle est l'origine de cette souffrance? Elle trouve sa source dans le conflit intergénérationnel et le passif traumatique qui fait qu'en grandissant, les gens produisent un ego plus ou moins complexé et plus ou moins narcissique. Et de l'interaction des egos entre eux naît, par l'incapacité de respecter correctement l'autre et d'être respecté soi-même, tout ce mécanisme des souffrances et de l'accumulation d'un karma plus ou moins positif. Le travail principal, il est de s'extraire des secrets de famille et des traumatismes intergénérationnels. C'est ça qui permet d'acquérir plus de subtilité et plus de bonté, si vous voulez. Donc, tous les gens qui ne font pas ce processus et qui veulent aller plus vite que la musique en passant tout de suite à la case mort et savoir ce qui s'y passe, perdent leur temps, hein, il faut être clair.